Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre mifa se porte bien. Aujourd'hui, vidéo de malade mental, une vidéo qui m'a été énormément demandée à l'ancienne, j'ai jamais osé la faire, mais aujourd'hui, je vais oser faire cette vidéo. Ok. Avec le retour qu'il y a pu avoir sur les deux dernières vidéos, j'en ai parlé avec vous en live sur TikTok, vous êtes nombreux à me dire vas-y s'il te plaît, fais-la, d'accord? Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tier list de mes ex. Alors attendez, bougez pas. Il faut bien sûr rester jusqu'à la fin parce que plus on va s'éloigner dans la vidéo et plus ça va devenir piquant, d'accord? Je vous remercie pour les retours sur les deux dernières vidéos, une qui a fait plus de sous. 我大学的专业是商场管理，主修市场营销。 Merci pour les retours. Bref, on va aujourd'hui faire une vidéo tier list de mes ex. Alors bien sûr, hein, commencez pas à rigoler, je vous vois venir, commencez même pas à rigoler en fait, d'accord? Alors, je dis bien et je précise, je ne vais pas mettre toutes mes ex, sinon il n'y aurait pas assez de cases, malheureusement, et dans les cases, il n'y aurait pas assez de place. Bon, alors, on commence par exemple de légendaire pour la meilleure, genre celle qui a pu vraiment apporter un changement à ma vie, il faut dire ce qui est, je ne vais pas être hypocrite, hein, et jusqu'à celle qui connaît pas en mode voilà. Mais il y a également aussi des mots en anglais, donc amazing, good, aime bien, ok, aime pas, déteste, et IQ. Vous ne vous moquez pas de mon anglais, voilà, je m'embrouille avec vous. Et connaît pas assez, d'accord? Il y a connaît pas assez. Bon. Bref, on va commencer donc du coup la tier list, et je vais commencer par l'IA. Du coup, l'IA, je vais vous dire ce que j'en pense, et je vais vous dire pourquoi l'IA, je la place tout en haut de la liste légendaire. Alors pourquoi? L'IA, c'est une femme qui a apporté beaucoup de bien dans ma vie. Même si à la fin, on s'est séparés au bout de pratiquement 10 ans, c'est quelqu'un qui a toujours été carré, c'est une femme qui a toujours été loyale, et surtout, c'est une femme qui m'a mené vers le sommet quand on faisait le trio l'IA, Momo et moi. C'était incroyable, c'était une femme très forte. Ce que j'aimais beaucoup chez l'IA, c'est que si quelqu'un s'attaquait à moi, c'était tout de suite son ennemi numéro 1. L'IA n'a jamais parlé avec quelqu'un qui m'a cassé du sucre dans le dos. L'IA ne m'a jamais rabaissé avec qui que ce soit. Et je me rappelle à chaque fois qu'il y en avait un qui se moquait une fois avec moi, hein, pas avec elle, avec moi. Je pouvais le pardonner, l'IA ne le pardonnait pas. Elle n'avait pas le pardon aussi facile, vous pouvez le croire. L'IA, à ce niveau-là, c'était une femme incroyable. Voilà, elle était loyale, elle était carrée. Et surtout, si tu touchais à son mari, bah mon pote, tu l'as touché à elle, c'est pareil. Et ça, c'était incroyable. L'IA n'a jamais parlé, n'a jamais échangé de message avec une personne qui a craché dans mon dos. Et ça, c'était incroyable à ce niveau-là. Vraiment, l'IA, une femme qui a beaucoup partagé ma vie, et une femme incroyable, il n'y a rien à dire. Après, Nesrine. Nesrine, bah, c'est la mère de ma fille, voilà, forcément. Et elle, bah, je la mets avec l'IA. Je la mets avec l'IA, légendaire. J'ai tellement voulu une petite princesse ou un petit garçon avec ma, avant que ma grand-mère bah, nous quitte. Alhamdoulilah, c'est Nesrine qui m'a donné cette petite, merveilleuse petite princesse. Voilà, donc c'est avec elle que j'ai eu ma princesse, donc elle m'a donné quelque chose que je voulais énormément et que j'attendais énormément, donc elle, bah, tout en haut de la liste aussi, hein, je la place dans légendaire, et c'est quelqu'un, malgré tout aussi, qu'on s'est séparé et tout, elle m'a quand même toujours aidé au niveau papier, paperasse, parce qu'il faut savoir que moi je suis un hamar, donc malgré tout, malgré notre séparation et tout, on est toujours en bonne entente, il y a toujours un respect mutuel, et elle m'aide souvent dans 2-3 papiers à faire, parce que je suis vraiment un sgeg au niveau papier, il faut dire ce qui est. Bref. Après, aïe aïe aïe, là ça commence. Yasmina, wouh, I feel good. Bon, on est parti. Alors elle, je la placerai dans... Aime pas, ok. Aime pas, détester. Bon, non, quand même pas, Mesquina. Je pourrais la placer. Aime pas. Voilà. J'ai pas aimé parce que j'avais l'impression que c'était plus une personne qui était là malheureusement pour les réseaux que pour la personne. Et c'était malheureusement plus une personne qui était là pour GameX13 que pour Abdel. Et je me rappelle, j'avais une conversation avec son frère à l'époque, quand j'ai voulu me marier la famille, que j'ai voulu faire ça proprement. Son frère lui a dit, j'étais là, il lui a dit, est-ce que t'es sûr de vouloir partager ta vie et te marier avec GameX13? Ou est-ce que tu es sûr de te marier et de vouloir partager ta vie avec Abdel? Parce que c'est bien deux personnes distinctes.
Et elle lui a dit, non, je suis bien amoureuse d'Abdel. Sauf qu'en réalité, elle n'était pas amoureuse d'Abdel, la famille. Elle était juste amoureuse de GameX13. Attention, je ne vais pas vous dire, oui, elle était là pour le buzz, elle était là pour les vues. Même si, quand elle a commencé à péter, elle a commencé à se dire, bon, allez, l'autre, j'ai plus besoin. Je peux faire ma carrière de TikTokeuse toute seule. Je peux faire ma carrière d'Instagrammeuse toute seule. Et c'est pour moi, c'est un peu ce qu'elle a fait, d'accord? Elle s'est pas dit en mode, ouais, bon, j'ai quitté un mec avec qui j'étais bien et tout. Là. Et elle jouait souvent un peu les drama queens sur ses TikTok et tout. Ça, c'est des trucs qui m'ont pas trop plu. Mais en tout cas, vraiment, je la mets dans Emba, voilà. Emba, parce qu'en réalité, c'était quelqu'un qui n'était pas là pour la personne. Et c'est des personnes que je peux pas me permettre d'aimer ou dire que j'ai aimé, parce que c'est des personnes qui n'étaient pas là pour Abdel, mais pour GameX13. Donc voilà, en tout cas, malgré tout, hein, je vous souhaite vraiment une bonne continuation et de la réussite dans sa vie, et c'est sincère. Aïe, c'est maintenant que ça commence à chauffer, la famille. C'est maintenant que ça commence à chauffer. Donc, comme je le dis, Asmina, je la mets dans Mpa. Là, aïe. Où est-ce que je pourrais la mettre, celle-là? Où est-ce que celle-là, je pourrais la mettre? Parce qu'en réalité, la famille, celle-là, le monteur de vidéo, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me créer une case pour celle-ci, s'il te plaît? Parce que l'IA, légendaire, Nesrine, légendaire, Yasmina, aime pas. Mais elle, est-ce que tu crois que tu pourrais m'inventer une case? Le monteur, s'il te plaît. Parce que là, il faut une case spéciale. Alors celle-là, mes copains, alors celle-là, c'est Nora. Nora qui a eu des problèmes avec des rappeurs, tels que SCH et j'en passe. Qui était une hôtesse de l'air. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça? Il y a quelques jours, j'étais en live TikTok avec un mec en direct live. Il y avait au moins 300-400 personnes à ce jour-là. Et il m'a dit, oui, Abdel, dis donc, moi, je connais bien tes vidéos, j'aime bien ce que tu fais. T'es sorti avec une meuf que je connais. Je lui dis, quelle meuf que tu connais? Il m'a dit, Nora. Je lui dis, ah bon? Il m'a dit, oui, Nora. Je lui dis, Et il m'a dit, l'hôtesse de l'air. Je lui dis, oui, je vois de qui tu parles. Mes commentaires étaient morts de rire. Et il me dit, elle, c'est une sacrée. Hein. Je lui dis, sacrée quoi? Il dit, écoute, c'est le ramadan, on va pas diffamer les gens en plein milieu de ramadan, mais elle, c'était une sacrée dangereuse, une sacrée réflite. J'ai dit, ouais, t'inquiète, j'en ai eu vent. Non, c'est pour ça que je l'ai quitté, d'ailleurs. Et je me rappelle de comment je l'ai quitté. Je l'ai quitté quand j'allais faire un clip, la famille, je vous raconte l'histoire, d'accord? Rapidement, histoire de vous expliquer et vous expliquer pourquoi cette meuf-là, il lui faut une case spéciale que le monteur va mettre un peu plus tard dans la vidéo. D'accord. Le monteur, je te laisse choisir la case toi-même. D'accord. Bref, j'allais tourner le clip avec Zantar, faux frère que vous connaissez tant. Et il y avait à l'arrière Zantar et Oussama. On allait tourner le clip et Oussama reçoit des messages sur Twitter de quelqu'un qui dit... Tiens, regarde la meuf Abdel, regarde ce qu'elle fait. Elle se bourrait la gueule dans des lives, elle montrait ses petites culottes, bref, des dingueries, en veux-tu, en voilà. Et j'en ai eu beaucoup des dingueries que j'ai entendues. Donc je lui ai dit, écoute, on va se séparer et tout. Elle m'a dit, oui, mais tu vas dire quoi aux gens, hein? Je lui ai dit, je vais dire aux gens que tu vas reprendre ton travail d'hôtesse de l'air et on arrête là en fait. Tu vois, c'est mort. J'aurai pas d'enfant avec une meuf qui a fait des dingueries sur internet. Pour que déjà mes haters, hein, qui me trouvent à chaque fois des choses à me dire, me disent « Ouais, ta femme c'est ci, ta femme c'est ça », tu vois. Hors de question, en fait. Donc, je l'ai quitté. Et quelques temps plus tard, j'ai appris que, quelques bons mois après, eh bien, elle a eu une relation avec un ami à moi. Une relation avec un grand S, avec un grand... Il y a un X dedans. Bon, bref, Mohim, vous avez compris, je pense. Voilà, donc elle, le monteur, tu choisiras la case. Du coup, voilà, Nora, elle a carrément eu, malgré les dingueries qu'elle a déjà fait de base, une relation avec un ancien ami à moi, du coup. Et malgré tout, en fait, tu te dis, je m'en fous, parce qu'en réalité, cette meuf-là, elle était vraiment inintéressante, en réalité. Voilà, elle était vraiment inintéressante, parce que quand tu apprends des choses comme ça, et que tu apprends des dingueries sur une personne comme ça, elle devient tout de suite inintéressante. Et pour moi, ça devient tout de suite de la merde et de la futilité quand t'apprends que la meuf t'a caché plein de choses, qu'elle a fait plein de trucs bizarres, qu'elle s'est fichée en live, qu'elle a montré ses sous-vêtements, qu'elle était bourrée en la graine des dingueries, que des dingueries comme ça. Honnêtement, c'est même plus détestable. C'est dégoûtant. Wallah, c'est dégoûtant. Et quand t'apprends qu'elle a eu un truc avec un patatan en plus, alors là, t'as envie de dire que ça n'a jamais existé en fait. Bon, du coup, la famille, je pense que vous avez compris. L'IA, Nesrine, Yasmina et Nora.
Voilà. La pire de tous, hein, c'est bien Nora. Je dis bien la pire de tous, après il n'y a pas de pire en réalité, Yasmina, bon, c'était une gamine, je pense. Hein. Je pense qu'elle, c'était plus une gamine qu'autre chose et je ne l'en veux pas. Mais voilà, de toutes mes ex, je pense que la pire de ceux que je regrette le plus vraiment, mais dinguerie, c'est Nora. Vraiment. Je suis dégoûté qu'elle ait partagé ma vie, même quelques mois. Bref, moi, voilà la tier list. J'espère que vous avez aimé. J'espère que le monteur aura mis un truc sympa, parce que je lui ai laissé les commandes. Et le monteur, il est un peu dangereux, donc je ne sais pas ce qu'il a fait. Bref, la famille, on se tient au jus. Prenez soin de vous et de la Mifa. À très très bientôt pour de prochaines vidéos. Et on se retrouvera pour une autre tier list. Dites-moi si vous voulez tier list d'autres choses, peut-être. Je ne sais pas. Je sais pas. Peut-être que vous en voulez une autre d'autres choses. Dites-le moi en commentaire, d'accord? Une tier list d'autres choses. Et peut-être que je vous la ferai, d'accord? Prenez soin de vous et de la Mifa. À très très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était GameX13. N'oubliez vraiment pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage qui fait toujours plaisir. Ciao tout le monde!